Eh, je vous ai vu là-haut. Arrêtez de me mater. Arrêtez. Voilà. Ça, c'est fait. Bon, maintenant, il faut que je me souvienne qu'est-ce que je dois faire. Bon, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est... On va poser l'encre... le ruban encre. Putain. Voilà. Et puis, je sais plus ce que je vais faire. Ah oui, je voulais aussi prendre ça, parce que... Je sais pas si elle est ouverte, la porte. On va regarder si elle est ouverte, la porte de la prime. Hein. Ouais. Et j'ai plus de balles. Ah si. Je suis ok. Bon, on sait où aller maintenant pour trouver des plantes, hein. En cas où si je suis blessé. Le zombie, là. Je peux passer. Je reviens. C'était prévisible à mort, hein. C'est illogique. J'ai quoi comme... J'ai le couteau... Rien.
l'ai vu. Mais où est le zombie? Il est là-bas. Oh, je ne sais pas où il est. Je t'ai vu. Bon. Ok, on a un nouveau masque mortuaire. Ok. Ouais. Bien. Maintenant, il faut que je trouve d'autres portes. Oh, il fait chier son pied, putain. Faut que je trouve d'autres portes à ouvrir. Ah, mais je peux passer par... Voilà, je suis con. J'espère qu'il n'est pas ici, là. Enfin, j'espère qu'il n'est pas de mon côté. Ah, bah si, il est de mon côté. Mais on s'en fout parce que je peux ouvrir cette porte. Ouais, enfin, voilà, il faut que je trouve d'autres... De porte à ouvrir avec la clé armure. Oui. Oh, mais j'avais oublié ce con. Non, non. Putain, il m'a raté deux fois, c'est quoi? Ah. Allez, c'est pas toi, salope. Tu fais pas donner un coup de pied en arrière? Putain, connard. Je me casse. Bon, c'est que l'autre porte est fermée. Bon, on va déjà mettre le deuxième masque mortuaire que j'ai trouvé, hein, ça sera déjà fait. Et puis voilà. Hein. Ouais. Ah là.
Il est pas si mort que ça, hein. Putain. Et dire que tu étais mon ami, la foire. Là, je veux... Ah oui, c'est vrai que je me suis fait un peu bouffer par le zombie qui m'a attrapé par derrière. J'avais oublié. Mais j'avais même pas compris que je m'étais fait bouffer. Ok. Ouais, voilà. Ça sert... Ouais, je vais quand même la prendre. Voilà, j'espère qu'il est mort, hein. Pour bref, ok. Bon, il y a de toute façon, il y a quand j'aurais aimé trouver une clé. Ah, ah, je sais où aller. On n'est pas bloqué, non. Est-ce que ça m'est arrivé de rester bloqué dans un jeu? Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Dans un réseau de ville, ou bah ouais, comme tout le monde. Mais là, je sens que je vais pas rester bloqué parce que je. Parce que je me suis fait le jeu tellement de fois que. Voilà quoi, après que ça marque à vie. Hein. Tout ce qu'il faut faire est gravé dans notre cervelle après, voilà quoi. Même si on dit merde, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on se souvient toujours d'un petit truc, on dit ah ouais merde, c'est vrai que j'ai pas été là. Puis on y va, puis voilà quoi. Donc ça nous permet de. D'avancer encore un peu plus. Bon, voilà quoi, je vais regarder. Pourquoi la pièce là, elle est rouge? Ça veut dire quoi qu'il y a des méchants là-bas? C'est bizarre ça. Ah non, je crois que ça veut dire qu'il y a des plantes en expo. Explorer. En exploration. Ah, ça veut dire qu'ils sont en exploration. Ok. Bizarre. Pourquoi les pièces sont rouges? Ça, rouge, ça veut dire peut-être que j'ai oublié quelque chose là-bas. Bon, on va d'abord aller voir là où je veux aller, mais je crois un peu plus c'est où. Ouais, non, ça y est, je me rappelle c'est où. On va passer par là. Non. Non, par là plutôt.
suis en train de me poser une question par rapport à la boîte à bijoux. En fait, la boîte à bijoux, est-ce qu'on peut l'ouvrir comme ça, en appuyant sur les boutons? Il me semble que oui. Ou alors, il faut trouver des pièces, deux pièces pour mettre sur la boîte à bijoux pour pouvoir ensuite l'ouvrir. Ah! Et je sais, normalement, il est bloqué. Ah. Et ça fait que je ne sais pas, en fait, s'il faut... trouver deux pièces pour mettre sur la boîte à bijoux, ensuite appuyer sur le bouton, ou alors on peut déjà appuyer sur le bouton mais dans un ordre précis. Il me semblait que en fait il faut juste appuyer sur le bouton dans un ordre précis. Enfin, je sais pas, on va regarder ça après. Les chiens ils vont venir, non? Autre clip que d'habitude les chiens ils traversaient les fenêtres. Mais c'est pas encore mon moment. Ah non, c'était des zombies, autant pour moi. Mais si vous, ça, j'avais oublié ça, que les zombies pouvaient... Bon, alors ici, c'est... Ah! Putain, connard! Ça fait peur. Depuis quand ils ouvrent les portes, putain? Ah, je m'y attendais pas, ça. Putain. Une balle devrait suffire. Good. Plus ou moins, avec un reste de en fait. Tu viens de louper ta phrase. Il y a quelque chose d'inscrit dans le renforcement. Quoi? Le profanateur du cercueil maudit. Le profanateur du cercueil. On a vu dans le cercueil qu'on va détacher avec les masques mortuaires. Ben, il y aura quelque chose dedans qui nous permettra de mettre ben, la pièce qu'on trouvera dedans là. Ici, pour ouvrir cette porte. Normalement. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Ouais, alors, c'est bien la boîte à bijoux qui... Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais, je sais, j'ai usé une balle de fusil à pompe pour rien. Ça arrive. La boîte à bijoux. Il y a un motif représentant le soleil et la lune sur la plaque. On peut lire je m'éveillerai avec la lumière du soleil. C'est bon, je sais. Alors. Ou alors il faut trouver des pièces, je sais pas. Il me semblait qu'il fallait l'ouvrir en appuyant sur lui. Sans yeux ni
sans yeux, nez, ni bouche. Ça dit ça? Un masque mortuaire sans yeux, nez, ni bouche. Ni nez, ni bouche. Je crois qu'ils ont oublié un mot. Voilà, waouh. On va le mettre. Un masque mortuaire sans yeux, nez, ni bouche. Ouais, bon, bah, petit rien. Ok, ben voilà, on a trouvé un autre masque mortuaire. Ouais, mais bon, voilà, quoi, ça nous dit pas où aller l'autre clé. C'est bizarre qu'on peut pas rentrer dans là où il y a le serpent. Bref. Où on va aller? Ben, on va déjà mettre le masque là où il faut. Ce sera déjà quelque chose de fait. Ça va bien, moi. Mais oui, je sais. Ah, c'est bon, c'est revenu, tiens, c'est... Oh, je suis con. Ah oui, je sais, je me disais pourquoi je l'avais, celui-là, le emblème A, à quoi il faut me servir. Mais je sais maintenant, il faut que j'aille... Ouais, là-bas. Attendez, je viens. Que j'ai dit brouter là.
Oui, voilà, c'est... Je me rappelle, tiens, c'est compliqué. Et vous avez remarqué que quand on a actionné quel en... Ah ouais, d'ailleurs. J'ai cru qu'il me disait actionner quelle aiguille, la grande ou la petite. Et ça fait que quand je prenais le petit, bah, ça fait bouger la grande aiguille. Et c'est ça que je pigeais pas. Je fais, attends, il y a un problème. En fait, c'est l'engrenage que tu fais bouger. Enfin, bref, je crois. Hein, le grand. Et en fait, il va bouger le petit. Okay. Le grand. Mais c'était gauche, Fred, c'était gauche. Non. Mais putain, mais ça.
Et oui, je me suis préparé pour affronter dans la prochaine vidéo le serpent. Parce que je pense que la clé ouvre là où il y a le serpent. Hein. C'est logique. Alors, on va se marrer. Merde. Et je vous donne rendez-vous pour le fight contre le snake. Le big snake. Allez, ciao, bye bye. Tu dis au revoir, Gilles. Au revoir. À bientôt.